One, two, three. One, two, three. Alors si American Post était toujours un étalon confirmé, voilà un jeune étalon, c'est Cocorico. Cocorico, il fait sa deuxième année de monte cette année au Hora de Cercy. Il fait la monte à 1 700 € tarif public et 1 500 € tarif coopérateur. Poulain vivant toujours. Et l'an dernier, American Post a saisi 128 juments pour sa première année de monte. Cocorico, j'ai dit American Post. Cocorico nous est présenté donc par le Hora de Cercy. Il a exactement le même profil que son père, Robin Deschamps. Il lui comptait 5 courses et 4 victoires en prix Stanley. Il est issu d'un croisement absolument remarquable. Robin Deschamps sur Nico, sur Cadeau d'âme et sur Karl Martin, que les chefs de race, les étalons d'obstacle donc, étaient entraînés par Jean-Paul Gallorini. Qui de 3 années. Voilà, qui je crois va venir nous voir aujourd'hui avec sa femme Jean-Paul Gallorini. Qui était au bon soin de Jean-Paul Gallorini, Cocorico, toute sa carrière. C'est le frère de César Pallas, gagnant Group 3. C'est le frère de Césarie Pallas, une femelle de 2011 par Great Pretender. Et le poulain de 3 ans, qui est un fils de Voix du Nord, est actuellement à l'entraînement chez Jean-Paul Gallorini. Ce Cocorico a 4 courses, tout en haie. Il avait gagné pour ses débuts le prix Claude Cohen à Auteuil. D'ailleurs, couru qu'à Auteuil, ce poulain. Et par la suite, il avait gagné la Listel, le prix Gérald de Rochefort, battant, s'il vous plaît, Miller Thomas, qui était deuxième. Miller Thomas, le futur gagnant du prix La Haye-Jousselin. Troisième, c'était Un Temps pour Tout, un Laura de groupe 3. Et quatrième, Square Beaujon, un placé de groupe 1. Cocorico, qui fait la monte à 1 700 €. La saillie au Hara de Cercy, poulain vivant.